Oh là, les Moon Catchers, c'est InnoView et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau match du défi de Kaizo saison 9 et aujourd'hui on reçoit Lucas qui va nous je sais pas quoi nous faire une démonstration de je sais pas quoi. Je sais jamais quoi dire au début de l'épisode, c'est dingue. Autant la présentation c'est faite mais quand le combat commence pas et que j'ai plus rien à dire, c'est chaud quoi. C'est chaud patate quoi. Bref, pas de râler. Donc on va commencer par Morphing. Moi, ouais, j'ai pas le choix. Hein. Non, monsieur, notamment, vous ne pouvez pas avoir ces capacités spéciales cheatées qui permettent de transformer directement. Hein? Non, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il a comme capacité, ce Mystigrix? Qu'est-ce qu'il a? Psycho-écosphère, protection, mis en lumière. Oui, c'est un peu ce que je me suis fait aussi quand j'ai fait Mystigrix, quoi. Un peu copié monsieur hein monsieur madame hein. Enfin monsieur Lucas, je pense pas qu'on peut dire que c'est une madame, je ne pense pas techniquement non. Ouais. Bon du coup ça va poser les murs hein, forcément hein. Autant ne pas se faire chier tout de suite hein. Largement pas. Appel à protection. Oh, mon dieu, tout à fait innovant. Bon, par contre, je suppose que lui, il va avoir. Ça va durer 8 tours et moi 5, hein. C'est pas grave. On a l'habitude de fail, hein, c'est pas grave. Mais par contre, maintenant, on va changer de Pokémon, parce que maintenant, ça sert à rien. À part qu'on se batte à coups d'écosphère, mais. Avec les murs lumière, non merci. Reviens. Vas-y. Et ose faire écosphère maintenant, vas-y, ose. Ose. Ok, non. On a bien la même technique. Ça va. Ça me rassure un peu. Rodrigue brûle. Brûlure. Orbe. Ok. Ok, je ne juge pas. Peut-être qu'il y a une capacité spéciale cachée que je ne connais pas. Je sais pas. Je verrai en off tout ça. Hein. Vu que je peux pas vérifier tout de suite parce que je suis en train de combattre et que je peux pas forcément faire des choses en même temps. Hein. Enfin, c'est pas combattre qui me diront, c'est plutôt enregistrer. Si j'enregistre et que je vérifie quelque chose à côté, la capture d'écran se fera plus. Donc du coup je peux pas. Voilà, donc il faut que je. Voilà, je voilà. Faut que je verrai. Faut que je verrai après. Faut que je vois ça après. Faut que je verrai après. Oui, I am French. I am French man. I'm good à moi, la gueule moine guinière. Fuck yeah. Bref. Pour l'instant, un chaos, voilà. Je dis de la merde, il y a un chaos. Tout va bien. J'aime bien ça. Voilà. Quand tu veux. Oui, forcément, quand j'ai plus rien à dire, et ben y a plus rien à l'écran, forcément. Ouais, les humeurs et le merde. Ouais. Ouais, non. Vas-y, Draco Shock, vas-y. Non, j'ai con. On n'est pas con non plus. Métallos, ouais. Acier plus défense de malade, je pense que ça va bien aller pour contrer la câlinerie qu'il va faire. Ah non. Bon, bah, j'aurais pu l'attaquer une fois. Faire un croc de croc fatal. Mais bon. It's not too grave. Opinion. Bref. Pour Météor, tu pourrais gagner un peu d'attaque, ça pourrait être pas mal. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien, mais voilà. Par contre, c'est quand tu veux. If you want, if you want. I don't say to what is being in English. Allez. Ok, c'est cool ça. C'est bien ça. Je crois que j'ai 30% de gagner de. 30% de chance de gagner d'attaque, je crois, tout ça. 30 ou 20, je sais plus exactement, mais. Pas mal. Tu me feras pas mal et je te ferai pas mal non plus. D'ailleurs, elle se met full vie, tu vas voir. Ouais, forcément, canon hydro, tout ça. Je n'ai rien fait comme des gars. Yeah. Moi, j'ai gagné de la force. Donc voilà, tu vas refaire pour Météor, s'il te plaît. Et tu vas regarder de la force, s'il te plaît, merci. Hein? C'est heal to play. Because I. Hein? Voilà. Because I don't speak English and don't know why to say pourquoi I speak English. Voilà. Oh, vas-y, Marie, tiens. T'es con? Ah, amphidobie, ok. Ok. Le coup, par mon météor, il va servir à rien. Donc là, on est d'accord.
On est d'accord. Ok, bon. Si j'ai la chance de survivre à une de ces attaques, je pense que Cis pourrait finir. Je pense, j'espère. Pic toxique, putain. Et il est pas... comment ça s'appelle? Il est pas protéin. C'est con, ça m'aurait servi, donc. Oh putain, ça va même pas tuer, quoi. J'ai juste remarqué que ça va même pas tuer, quoi. Je suis en retard aujourd'hui, voilà. On va dire que je suis pas réveillé, voilà. Bref. Vibre obscur, ouais, je crois pas que je survive à ça. Pourquoi ils ont enlevé les résistances aux Pokémon acier, quoi? Dieu! C'était bien qu'on résistait au spectre et ténèbres! Bien, moi, je trouvais ça bien, moi! Tiens! Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Merde. Bon, du coup, il faut que je me garde... Alors, il faut que je me garde Bruiverne... et Miss Dibut pour la fin du combat. Parce que c'est ceux qui seront pas touchés par les pics toxiques et c'est les seuls qui pourront tenir par la durée. Voilà. Donc garde-voir maintenant. Pyroli, j'essaierai d'utiliser, je sais pas pourquoi. Bah, avant les deux autres, le gars, c'est sûr. Voilà. Pouvoir lunaire, je fais pas comme d'habitude, hein, voilà. Hein, pouvoir lunaire. Non mais parce que l'autre fois le psycho m'a... Hein, le psycho qui m'a arraché la victoire, ça va. Hein. Je suis sûr que si j'avais fait pour un pouvoir lunaire la dernière fois, j'aurais pu mourir. J'aurais pu gagner plutôt. Bon, pas grave. Pas grave du tout. Bah ouais, t'es au placement. Ben voilà, j'aurais dû faire psycho. Bah, sur Finobi ça aurait pas marché, mais là ça aurait bien marché par contre. Ouais mais si ça avait pas marché sur Finobi, du coup il aurait pas changé pour Ectoplasma. Hein, tant de choix, tant de suspense. Je vais dire des conneries. Vas-y. Vas-y, Miss Dibule. Oui, Miss Dibule. J'espère qu'il va... qu'il va faire une attaque poison, hein. On l'espère tous. Je te timide, hein. Ça sert à rien, mais je te timide quand même, hein. Ah oui, méga évolution. Ah. Ah. Oui, ballon aussi, c'est vrai, c'est pas con comme truc, oui, c'est vrai. Oui, bon, une erreur, oui, bon, voilà. Bon. Si, ben, j'avais fait d'erreur, hein, voilà, hein. Si je me plante pas sur ce pouvoir lunaire, je me plante sur ça, bon, bah voilà. Chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Chacun ses goûts, chacun. Pas psycho cette fois, hein. Moi, c'est tabasser la gueule, hein. Et quitte pas. Arrivederci. Oh, voici. Psycho. Psycho quack. Et ça fait que dalle. Yay. Yeah. Moi, j'ai baissé ta défense spéciale. Ouais. Mais faut changer de Pokémon. Voilà. Et Pyroli, vas-y. T'as pas le choix dans son Pyroli, vas-y. Flareon, c'est quand même moche en anglais, hein, Pyroli. Hein. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai reçu un Pyroli de base. Hein, voilà. J'aurais bien voulu avoir un Octalie ou un Aquali, hein, pour le coup, même un Aquali, ça pourrait servir hein, dans l'histoire. Mais non, Pyroli, quoi. Il y a un mec qui s'est dit, ouais, j'ai un Evoli, je vais faire évoluer en Pyroli, voilà. Juste pour faire Shinobu. Puis je vais l'échanger, voilà. Juste pour le faire chier. Juste pour qu'il y ait une bonne équipe de merde. Un Pokémon de merde dans une équipe de merde. Connard. Enfin, plus le passé avant. Hein. Dans l'équipe d'avant, c'était bien la merde. Hein. Connard. Je décolle. Hein. Non, Pyroli peut être très bon, mais c'est juste que je n'ai aucune utilité dans cette équipe, quoi. Je veux dire, je vais faire des... Si je veux faire des dégâts physiques, ben, bah, j'y mets Talos, hein, voilà, ou Mitibule, hein, voilà. Je veux la défense spéciale, ben, j'ai garde-voir, hein, voilà. Donc, au pire, je sais pas quoi. Je sais pas quoi faire de ce Pyroli. Je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. De toute façon, vous verrez bien en fin de saison comment
Je suis fait pour ce Pokémon. Et ben, j'ai fait de la merde. Bref. Putain, Azumarill. Azumarill, non! Ça, ça va pas de gueule! Ouais, ça fait passer. Lui, c'est vrai, Noidro, machin. Allez, on récupère des bébés. Oh là là, il récupère encore des PV. Oh là là, c'est étonnant. Oh là là. Bon bah, tu vas faire encore une petite façade. Hein, n'est-il pas? N'est-il pas? Je peux pas faire tunnel, la sur de base, ça sert à rien. Hein. Bon, là, l'écran revient, revient. L'écran qui se met en veille, voilà, c'est bien. Normalement, ça perd pas la capture, c'est bien. Juste moi qui faille, bref. La souris tu bouges, voilà, ne te mets pas en veille, là là là. Voilà. J'ai une souris qui passe au milieu, c'est normal. J'ai un peu oublié ça, mais c'est pas grave. Bref. Garde-voir, vas-y, garde-voir, ouais. Vas-y, pète-lui les genoux, garde-voir, pète-lui les genoux, vas-y. Par contre, je fais quoi? Je sais plus ce qu'il y a comme Pokémon. Je crois qu'il y a encore l'Ectoplasma. Psycho pourrait être bien, mais Tonnerre aussi. Si je pouvais paralyser l'Ectonnerre, ce serait tellement bien. Tellement, tellement fait chier. Au revoir, Gardevoir! Même pas? Oh la vache. Mon dieu, si j'avais su. Si j'avais su. De toute façon, de son de base, Umbreon n'aurait servi à rien ici. Hein, voilà. Et de toute façon, j'aurais fait Psycho, ça aurait été pareil. De toute façon, donc, au pire, voilà. Hein. Au pire. Et merde, sans décoller. Pute. Pute de chiotte. Même si je peux le faire, hein, ça va le garder à voir. Hein. Je suis même plus sexe que lui. Quel? Alors, c'est lui ou elle d'ailleurs que j'ai dans mon équipe? C'est un mâle, une femelle? Femelle. Merde. Je suis plus sexe qu'elle? Yeah. Oui, alors par contre, faire le bruit vert dans... en cri, je ne peux pas. Autant le garde-voir, oui, autant le bruit vert dans le... Non, je peux pas, je peux pas. Au bout d'un moment, faut dire ce qui est. Je ne suis pas un bon imitateur, hein, voilà, de base. C'est comme essayer de faire un Lipoutou, quoi, c'est mort, quoi. C'est mortadelle, quoi. Bref. Oh, flambuzard, je suis... Alors, comment dire? Si tu as encore problème, je suis dans la merde? Ok. Donc, c'est le flambuzard typique qui a... Elle bourrasque, donc je suis dans la merde. Voilà! Oh! Oh, je suis presque! Oh! Non, ça fait un peu magnéti, ça fait un peu robotique. Non, je peux pas. Non, je peux pas, au bout d'un moment. Bref, c'est maintenant qu'on se quitte après un bon numéro de divertissement orchestré par moi-même qui essaie d'imiter un bruit verne, c'était pathétique, bref. Du coup, vous pouvez voir en ce moment les héros du match qui sont d'autres que Azumarill et Amphinobi de Lucas qui sont les héros du match avec 2 KO. Sinon, bah, rien d'autre à dire là-dessus sur le combat. Bravo Lucas, je t'applaudis même si à la fin je déconnais le placelle, je sais pas pourquoi, voilà. J'étais en train de déconner complètement, mais c'est pas grave. Du coup, je pense que je savais que je perdais, du coup, j'ai fait n'importe quoi. Enfin, j'ai fait n'importe quoi, j'ai dit n'importe quoi. Du coup, j'espère que ça rendra bien en vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on se quitte là, j'espère que ce combat vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouveau match, d'ici là, portez-vous bien. Et donc, à demain hein.
Oh, savoir parler, un inconnu qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Et bref, c'est sur cet instant de oh, putain. Bref, oh là, c'est sur cet instant, c'est sur cet instant, c'est sur cet instant. C'est quoi la difficulté de dire ça, quoi? C'est sur cet instant, quoi? Merde! Et bref, c'est sur cet... J'en ai marre! J'en ai marre! Bref, c'est maintenant qu'on se quitte après un bon numéro de divertissement.